Ah, c'est lui. Alors oui, là, vos impressions avant de me fourcher la moto pour la première séance. J'ai envie de faire un caca. J'ai envie de faire un caca. Il sait pas faire un caca. Bah écoute, trop bien, les sponsoring sont cool, la piste est chaude. A noter la préparation de la moto, déco racing, tunis, ça claque, pilote racing, puis. Moi je dis on est bien. Moi j'ai peur qu'on perde des secondes avec ça. Y'a Becky ? Mais si tu débrayes pas, ça marche pas. Ouais. Bah reste appuyé. Non, non, c'est bon, il y a le net. Il est là. Ah, qu'il est beau le pilote. Ah mon bichon. Ah oui là. Qu'est-ce qu'il fait, il sort intérieur. Ah c'est pas prêt de frotter comme ça hein. Ah dans la ligne droite il y a du monde là. Ah, là. Ami les génies, il est bouchonné. Mais élargi, couillon. Même position. Mollo, hein. Ouais, on a vu, ouais. Ouais. Attends, je me suis dessus, c'est ma première, c'est pas ma moto. Ouais, ça va. Ça alors, va. Ça a été. On attend ton chrono ou on attend la deuxième session? De toute façon, m'en bats les couilles, j'assume totalement. Non, mais tu rigoles, je voulais pas faire quoi que ce soit. Enfin, tu t'es amusé? Ouais, ouais, mais en fait, tu peux beaucoup mes marques. Ouais. Mes marques. Et la moto, je la connais pas. Eh ben oui. Mais elle va bien. Elle va très bien. Et il y en avait plein, hein, je n'osais pas les doubler. Parce que quand je vais pour les doubler, pile poil, t'avais le virage qui arrivait. Donc voilà, je me mettais derrière, j'attendais. J'ai fait un tour avec le gars là, de Tortue Team. Ouais. En fait, ça va, mes trajectoires, pas toutes, mais la plupart. Faut que t'élargisses tes sorties de virage. Je me suis mis la couille de bœuf, tu sors intérieur de partout. En fait, hein ? Tu sors intérieur, faut que t'élargisses les sorties. Non, en fait, il faut que j'élargisse au début. Et les sorties. Le virage, je re-rentre. Non, mais les sorties de virage, que ce soit l'épingle ou le gauche, ouais. Tu sors intérieur. Élargis, élargis. Ah.
double. Voilà. On verra quand tu seras dessus. Il est genre JPL hein. Il faut, à l'entrée il faut. Ah ouais. Allez, c'est bien, il est soude. Donc elle fait pas de bruit. Ouais, elle est échappement d'origine. Mais là-bas il rentre vite on dirait, regarde. Il rentre vite celui-là. Ah, c'est pas loin. Allez, oui, il a un peu plus de vitesse et ça a frotté. Ah, oh là, je sais pas s'il a pas frotté. Une 25, il était. Putain, faut que je ferme ma gueule parce que la vidéo ça va être chiant. Une 25, il était, je pense. Dans celui-là, j'arrive à faire frotter un peu de temps en temps, mais je suis pas à l'aise. Ah ouais. Ouais, le parce serré. Que, il faut que tu déranges plus, faut que tu te sors plus de la moto. Ouais, ouais, mais c'est t'as serré. T'as l'impression d'être beaucoup sorti. Ouais, quand même. Ah bah t'es à peine sorti en fait. Ah ouais, ouais. En fait, ta fesse. C'est bien sûr. Oui, bah si on va chez les confirmés, on va se faire tracter, ça oui. Ouais, oh, mais on n'y va pas. On reste chez les moyens, c'est déjà très bien. Ah, oh oui, là ça frotte. Belle. Ça y est, il prend confiance. Il a le R1 en ligne de mire. Ah, ça va le motiver. Il veut le choper. Pourquoi il sort aussi intérieur là, toi? Allez, vas-y, fais frotter. Voilà, c'est bien, ça frotte. Une 25, une 24,88. Ah, c'est bien. Ouh, il est chaud. Puh! Il rentre vite là. C'est pas le chepa trop. Si, il est bien, mais tu vois, il est trop intérieur à la sortie là, celui-là. Il va pas se faire mal là. Ça va. Voilà, ça frotte. Là, hop. Il a été gêné. Ouais. 28,53. Ah, c'est normal, il était gêné. Il s'allonge. Eh oui. Il s'est fracassé dans le dédain. Ah, c'est bien. Une 23,70. Ah, bien. Là, s'il n'est pas gêné, il va bien. Là. Il était à combien? Une 23,70. Il améliore à chaque fois.